Dans les années 70, l'Ardèche s'était dit qu'elle n'avait pas besoin de Paris pour devenir le centre du monde du documentaire d'auteur. 40 ans après, l'USAS s'empare de l'Internet mondial et crée un site pour diffuser le meilleur du documentaire. Comme disait Picasso, la forme est une vision du monde. Montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir change le regard. Alléluia ! Ça fonctionne ! Dans les 2 ans qui viennent, on est exclusivement plateforme, 500 films par an à peu près. Après, le pari n'est pas gagné, il faut qu'il y ait des abonnés, quoi. J'entends bien. L'autre aboutissement, c'est la construction du bâtiment pour le village documentaire de l'USAS. Et voir perdurer l'activité du documentaire de création dans notre village qui conserve son identité rurale. Quand je vois ce qu'ils font là-bas, ça peut être que super, hein. Bon, il y a toujours des gens qui râlent, mais ça, on ne pourra pas l'empêcher. Ça faisait une quinzaine d'années que je n'étais pas venu, ça a bien changé. Ça ne progresse pas. Si on ne redonne pas de choses, vous arrêtez là. Non. On est à la recherche, on va dire, de 60 000 euros. Jean-Marie, bon, il a tendance à pousser la machine trop loin. Punk aujourd'hui est plus intéressant qu'il y a un an et demi, plus riche. Toujours plus, mais c'est jamais assez. L'USAS, ça peut pas exister sans des gens qui vivent à l'USAS. Et après Jean-Marie, il y a personne d'ici et qui fait le lien avec les gens du village. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est notre avenir dépend aussi de vous.